On va en profiter pour passer à quelques petites infos. La première info, et ça nous fait plaisir, c'est que sur ce week-end de 2019, ce sont les femmes qui seront les plus représentées. C'est évidemment rare d'en faire des gars pour le souligner. Il y a plus de TNA, de TNA qui a quand même été un rôle. On voit faire ça avec beaucoup de plaisir. Et puis la deuxième info, c'est que malgré cette situation, on a des grosses équipes qui sont représentées. C'est pas idéal, bien au contraire. Hein. Les Tchèques, les Espagnols. Les Américains qui sont là aussi, ça fait plaisir de voir tout le monde. Yes, also for everybody, as Bruno just said, we are very pleased to notice that there are much more women at the start than men. So it's starting slowly in our sport to get parity, and even more than that, to have more women at the start is really a good sign for our sport. After the four runners, we have already a few very good new fast times. We have Quentin Virgil from France with a 95.82 so fast and clean. And we have the first woman, Emma Vuitton, with a 107.38. That's a good statement for the first qualification round to come. Effectivement, on a des bons temps du côté des joueurs, mais voilà, je vais finir sur la table, ça va aller plus vite dès aujourd'hui, je pense, hein, aller plus vite dès cette manche de qualification. On vous rappelle tout au long du week-end, on gardera le même parcours, on s'imposera en fonction petit à petit jusqu'au phase finale de demain et après-demain. On rappelle, on commence par les catégories kayak, notamment avec kayak d'âme, notamment un paillet de chevaux,
fait partie d'un gentil solo du parcours avec Carolina Rossi qui est sur ce début de manche. On a un début quoi extrêmement compliqué, juste à la porte numéro 3. Puis là, il y a un gros coaching à faire, 3-4. C'est un roue qui est assez récent sur le bassin de Beaune, qui est super sympa à pratiquer, très joli à voir aussi. Si vous voyez comme figure, un enchaînement 3-4, c'est intéressant en fait. So we have the first competition course from Argentina. This is Rossi. After a very nice start on the top section, then she did up 8 and down 9, and now she gets to up 10 on the right. This is Rossi qui arrive dans la porte numéro 10. C'est pas compliqué. On l'a vu mal embarqué justement dans l'enchaînement 3-4. On va vous traduire ce qu'on voit donc sur nos écrans, c'est un 2 tenues à 3, 50 à 4, 50 à la 5. Ça fait beaucoup, hein. On rappelle le chrono de 116 secondes de la catégorie ouvreur à l'épreuve de dos. Il va falloir aller chercher ces temps-là demain et après-demain pour aller chercher les premières places, donc forcément. Yeah, it's a great pleasure to see badness such as Mrs. Rossi on the course. We can tell that she's getting used to cold wide course and she's not getting there every day, but still she's able to get all the gates from the top to so far to get 70. So come on to the bottom section, it's gonna be hard, it's gonna be tight, but you have to finish your run, come on. Heider, il a raison, on arrive dans la partie très compliquée là, l'enchaînement à 17, 18, 19. Et d'ailleurs, on a vu tout à l'heure dans la catégorie ouvreur des options bien différentes. Au niveau de cet enchaînement 17, 18, des passages en marche avant, au-dessus du rouleau, des passages en marche avant en passant en dessous. C'est très ample avec des inversions à la porte de l'enduit. Dans tous les cas, le passage est extrêmement compliqué sur la fin. Alors là, François Renaud et son collègue vont tracer quelque chose de ce niveau. Now we have the local competitor from home, the Canadian Léa Baldoni, representing Canada. And with a nice and tight spin on gate 18. Yeah, very nice. As Renaud was saying, we have different options down the course. Léa Baldoni, elle connaît bien le parcours, le bassin, pardon, puisqu'elle s'entraîne ici. Elle est également sociétaire du club de Pro, donc on va la suivre. Elle peut venir faire un joli chrono et décide aussi de passer en marche arrière inversion au niveau de cette porte numéro 21. Il va y avoir beaucoup d'options comme ça pour assurer. On vous rappelle, on est bien travé sur la fin du parcours. Et là, il faut se décaler pour vraiment tenir la marque. Yes, very wise option from Baldoni on the last section of the course. After more than 1 minute on the course already, it's really clever to have decided to get a spin. Spin on 21 is always a nice option. Pour Léa Baldoni, c'est la première place, 131.33, avec 2 jours de pénalité. Une petite touche, c'est pas mal. Pour Carolina Rossi, c'est 276.09, avec 16 de côté, elle est seconde. 131.33 pour Léa Baldoni. So far, she takes the lead. Il y a déjà des fans sans enlever des ravages. On est désormais à l'arrivée avec Olas Areti qui a perdu en seconde position, 171.65. Elle aussi 54 secondes de pénalité. On l'a vu, c'est dur ce parcours. Il y a beaucoup de 50 secondes de pénalité. Yes, so far we have Areti in second place with 54 penalties so far. We will have to wait for the official results for sure. But what we can tell is that you may be slow in getting safe options, but as long as you don't have any 50, then it's all good. Alissa Kokoran est au niveau de la porte numéro 18-19. On va vraiment se focaliser sur cet enchaînement là de la 17 à la porte numéro 23. Parce qu'on a le sentiment que c'est ici qu'il peut y avoir beaucoup de temps perdu. C'était pas mal passé pour elle. Là, on a vu un petit arrêt dans le haut. Au niveau de la porte numéro 19, qui est plutôt bien dans la trajectoire. Yes, very tight options on day 22-23 for the American girl. And now she is sprinting to the finish line. Oh, c'est la 50 secondes de pénalité qui tombe au niveau de la porte numéro 22 pour l'Américaine qui en termine en
185 pour le 63, les troisièmes du classement premier. Stop here, but we also have a good speed and the body's floating down the course.
well nice inside on 24. Now on the last gate and then the finish sprint. I open the Fernando avec Ken and the Fabre, 141.91, vous avez secondes. Sofia Renault est toujours avec Roxana Arras et Kian Rose, donc j'ai encore 14 à droite dans ça. Yes, we are really pleased to see you here on the call, Roxana from Iran, and to welcome our friends from Iran. So she can, if you're on the side, don't forget to show her a bit of support. She needs it right now between gate 40 and 50. Yeah.
s'est lancé sur la 27e catégorie. Laura Pelicic-Chica de Andorre est au niveau de la porte numéro 17 sur cette enchaînement 17-18. Elle était en retard pour ce moment de l'intermédiaire, car c'est mon but de retard. Qui arrive à haut de haut d'enchaînement à ta porte 24-25, un joli stop à l'intérieur sur ce stop 24, la sortie à 25. On va essayer de prolonger le combien de la place entre la première et la seconde. On peut venir s'intercaler. Voilà, c'est fait, elle est sous la deuxième en 121.44. Laura Pelicic-Chica d'Andorre. On est avec Ria Stiba sur le milieu du parcours, l'américaine qui arrive au niveau de la porte à l'Ego, qui s'est lourdement pénalisée sur cette porte numéro 9. C'est dommage, hein, parce que sinon c'est la bête aviation en termes de chrono. Mais voilà, on se rappelle, il faut être précis aussi dans les calories actionnantes. Il permet au niveau de la porte numéro 19, et sur le haut du parcours, c'est la République tchèque avec Lucie Destidalova. Qui est déjà sur le début du parcours, la porte numéro 10. On va garder aussi un œil sur le parcours avec Romain Cousin, qui va s'y lancer dans quelques instants. Allez, Ria, l'américaine, qui en termine avec 52 secondes de pénalité sur la porte pour aller chercher la tête. Elle est en 171.89, elle est 8e. On va suivre également qui arrive sur le second chrono intermédiaire, 3 secondes de retard. Bon là, on a pris plein les nageux là au niveau de la porte numéro 16. Elle s'est fait décaler sur la droite du parcours. Elle va se battre, hein, parce que si on connaît la détermination des compétiteurs et compétitrices tchèques. Et on est avec Romain Trujan. Elle est en pleine bourre, Romain Trujan. Elle a fait des cours de sélection remarquables. C'était il y a quelques semaines sur ce site-là. Elle a gagné la Coupe du Monde il y a 2 semaines du côté de la Seine. D'aviation, vous pouvez l'avoir, mais efficace, surtout vous avez au point de la porte numéro 10. Allez, Missy Destinalova qui en termine avec un chrono intéressant. Missy, elle est deuxième en 116.75. On va suivre la française qui arrive. So we have Romain Trujan on the course, 17, after firing up the French selections for the Olympics. She was able to win one of the races, and now she is on the sprint on 18. Elle a beaucoup d'aide parfaitement ce bassin, elle aussi rencontre des petites difficultés sur cette porte numéro 18. Il faut garder la vitesse, conserver la vitesse, elle vient de traverser le rond et rentrer dans le contre-courant de la porte numéro 18. Romain Trujan qui était en avance sur le second chrono intermédiaire, mais bon, elle a pris une pénalité juste derrière. On va suivre ça jusqu'en bas du parcours. Elle est sur le dernier stop. La Paloise qui arrive à la porte numéro 25. Yeah, only one draw in and out on 24, and now the final sprint. You can watch her time close, very close to the first place. Allez, deuxième, 113.25. Le podium pour le joueur Katerina Bekova, Romain Trujan. Ici, Destinadova, pardon, on l'avait dit, le check qui va être formidable, mais c'est bien, c'est déjà deux dans le premier pas du passeport pour le joueur. Romain Trujan, second place in the first four, 113.25. Avec une Russe, Vinazova, qui est désormais en difficulté sur l'enchaînement de 14-1. Là aussi, il y a un roulement bien maîtrisé, ne pas trop se faire arrêter par ce petit bandeau. Essayer de conserver la tête, voici ces deux plaques d'affilée qu'elle prend. Hein, 14-15, après la 16 également. C'est là qu'on voit la puissance de ce bon bandeau quand il y a des compétitifs d'un terminal. C'est bon, ce coup. Yeah, we're getting on 15 to 17 for the Russian girl here. We will try to put her down the course because she needs it now. Lots of energy lost and spent. Now nice and tight on 19. Encadré par quelqu'un qui connaît parfaitement le bassin, Jean-Yves Chopin, qui a de nombreuses années au lycée. Surtout, on connaît également la difficulté
ce bassin, on va jusqu'au bout, elle a perdu beaucoup de temps, elle était en retard sur son tournoi intermédiaire, elle a perdu la 8e position, en 135 points. Now on the course we have Laia Sorribes from Spain, our neighbors here on that lead. Come on, allez hop hop hop! Venga. C'est dommage pour cette compétitrice là, on sait qu'elle a un énorme potentiel, c'est une compétitrice là aussi, ça a été difficile pour elle, 18-19, un petit peu en retard dans la 18 derrière, elle s'est fait complètement décaler par la 19. Allez, c'est pas grave. C'est pas grave, on va remettre les choses tout dans l'ordre pour aller chercher une performance demain. Performance, on a eu qu'à payer une tour de c'est pas du tout chez les nouveaux, de ce qu'elle était en 107, elle aurait été devant, et c'est même comme ça à jouer avec un gros calibre, on va dire, qui vont s'élancer. Il y a du coaching dans la cabine avec notre pilote qui est également une compétitrice australienne. We are getting close to the top 5 on the ladies. K1 women competition here today. Very demanding course. Very demanding from the top to the finish. We have Monica here on 21, 22 and now backstroke, back pedal. It's catching on this stopper from 23. Ah, ça va aller plus un peu de temps, c'est pas de panel comme le dernier au niveau de la porte du bureau de 24-25, elle est déjà un peu trop tard. Sur ce bon chrono intermédiaire, elle termine en 124.39, elle est 5. C'est la jeune de Philippe Parfe sur le milieu de parcours, une toute jeune compétitrice, un style assez atypique. Capable d'aller très vite, c'est impressionnant de voir cette jeune compétitrice déjà à un tel niveau. D'ailleurs, elle se bat bien, elle fait un très beau passage 15, 14, 15, 16, 17. Elle a fait le plus grand chemin possible. Yeah, incredible to see how it is able to manage to get along this course in full. Very light, very precise paddler, very dynamic also. So she's getting into 20 now. One big draw in and out. Very interesting time. Ouais, c'est très beau ce qu'elle est en train de réaliser. Elle est en tant que troisième voie, c'est vraiment le plus bon de chemin. Elle a eu trop de retard en seconde dernière, certainement une énorme erreur sur le milieu du parcours. 19 secondes de retard. Donc forcément, elle n'arrivera pas à venir chercher du temps. Elle en termine en 131 points, 24. Allez, c'est ici. Victoria Hess, désormais nous apporte le numéro 18. Et on a Marie-Zélia au niveau du décalé, top numéro 8 et souvent 3 d'avance sur le premier chrono intermédiaire. Victoria Hess, the last offset of the course, 22-23, now perfectly done. Direct through for her, in and out in 24 and on to the final sprint. C'est quand même une belle manche pour Victoria Hess, incredible style. She lives in course, she knows that course by heart. She was able to win the Olympic qualification 2 times in a row. A little bit of touch problem here on gate 19 for Marie-Zélia, but still firing up the run from top to bottom. Ah, ça y est, là on rentre dans le premier time avec Marie-Zélia qui arrive au niveau de l'enchaînement 23-24, elle était en avance sur ce mouvement intermédiaire et puis là-haut aussi on a Véronica Bojtova qui s'est lancée, elle s'est envoie du lourd sur cette première manche. On va suivre le chrono, voir si elle arrive à chercher son titre. Ouais, c'est fait, elle est en 108.32, belle performance Marie-Zélia Lafont malgré une pénalité, 108.32 au premier. And first place for Marie-Zélia Lafont, 108.32 with a 2-second penalty, first player for the French woman. Véronica Bojtova,
débutant pour la Tchèque avec une seconde 14, son premier point d'intervenir, le système se fait arrêter, son enchaînement 14, 15, 16, ça reste de la belle navigation, enfin, on a perdu du temps, on a perdu beaucoup de temps sur l'intermédiaire des lieux, on n'a pas encore parlé, il y a un passage là avec un gros décalé, stop mission, c'est extrêmement compliqué, c'est pour ça que de temps en temps on voit des compétitifs sortir avec yeah, it's really difficult to get 10, 11, 12 correctly, because if you're too high on gate 10, then you don't have the speed, you don't have enough speed to cross, go across from 10 to 11. So we do have a lot of time difference on that particular section. Le Garo et Thomas qui en termine sur la porte numéro 25, un chrono de 123.75, allez, 7ème, on est avec Simonu, la française, sur l'enchaînement 14, 15, 16, elle arrive désormais dans le jump 17, elle aussi a trouvé parfaitement le parcours puisqu'elle s'entraîne là de manière quotidienne, elle dit quotidienne. Yeah, Simonu on the speed of 17-18 and then back into the Kraken. Demand for that 20, still on keeping the touch with Marie-Zélia Lafont, and still is in the lead. Il y a du beau monde sur l'eau, ici sur la fin du parcours, hein, dans un stade sur le parcours, il y a Mayalène qui se prépare dans les starts, qu'elle fait la fin de service. Simonu qui en termine, ça va être chaud. Est-ce qu'elle va aller chercher le chrono de Marie-Zélia Lafont? Elle sera juste derrière, en 100 minutes. 3-4-18 Marie-Hélène Amour pour première en 3832 sur le 81 pour Vici et Katerina Pekova, la tchèque en 110.1. Ouh, un assassinat là-haut qui a passé comme une fusée sur l'enchaînement 14-15-16. On va voir le pouvoir être pour l'intermédiaire. 4 secondes de retard, effectivement, là, 4 secondes pardon, de pénalité. Est-ce que je gagne avec Marie-Hélène Amour en termes de vitesse de bateau et quand même en force haute. There are a few really hard moves to be able to handle here. You also have absolutely no time to recover from hard sections. So now Anna Santilla on the last offset of the race. That can be done on 22, now on to 23. Également avec Mayalène Chouraud sur le parcours, elle a une seconde de retard, son premier bon intérieur malgré une pénalité. Ça veut dire qu'elle est rapide, on termine avec Anna Santilla sur la fin. Oh, 100 15.96, 6ème, Anna Santilla, 15.96, à 4 secondes de pénalité, ça n'est pas. Mayalène Chouraud sur l'enchaînement à 17-18, elle s'est fait un petit peu descendre, la porte numéro 17, il y a vraiment un gros tour à faire sur ce stop 17. On va essayer d'arriver à le niveau possible et je pense que c'est un centre compliqué là aussi, elle s'est fait acheter par les bandeaux autour de Mayalène. Alors elle s'est très bien, elle n'a rien à faire sur cette journée de compétition. Le plus vieux c'est de prendre ses marques, ça va quand même bien pour aller chercher la porte. Allez, allez, benga, benga, Mayalène. It's really interesting to see how demanding is this road design. We have such a great habit. Getting surprised by the white water, the moving water here on the Kraken. Last up before the final sprint. Allez, Mayalène, derrière, hop, hop. Elle est tombée sur le dernier sprint final. Mayalène en 129.72. Allez, on se lève, on a fait un peu de sur la fin de parcours. Pas de soucis, on les retrouvera toutes demain, c'est pour bénéfice. Alors, on vous redonne top 3 de cette journée, Marie-Zélia Lafont en porte devant Simonu et Katerina Pekova. La petite info, c'est que la jeune compétitrice ouvreuse de Babuzon en 107 aurait fait une grosse performance. Yeah, very interesting to see how Emma Buton from the Forerunners did a 107. She could have won the competition today. Very nice, very talented paddler. Allez, c'est les premières annonces. On nous dit que la société de Belgique, Mathieu-Louis, a perdu sa clé de voiture. Si vous voulez une voiture sur le bord du bassin, vous pouvez nous la ramener à la qualité. You can still sell the keys.
les quelques infos peut-être intéressantes pour demain, c'est vous qui prévenez dans tout ça. On aurait un top 10 pour pouvoir accéder au final en 129-68. La première et la deuxième, aujourd'hui, un peu de monde. Alors, on a dit, le parcours est extrêmement exigeant, extrêmement complexe. On va voir si à l'issue de la journée de compétition, si demain les choses se resserrent. Yes, you're right, Bruno. Very different mindset when you start a competition, knowing that for sure you will be at the semi-final start tomorrow. So it will be quite interesting to watch the time difference between the first place and the 10th place. For the semi-final, today we have 20 seconds in between 10 first ladies. There is a lot to bet that tomorrow the time difference will be way different, very tight, I guess, to get to the final. And everyone will be able to learn from the mistakes from today. So, can't wait for tomorrow. De 3 minutes là avant le départ des Kayakop pour le départ des Kayakop pour 3 minutes à 14h35 tout pile. Allez,
bon compétiteur, hein, assez lancé là dans les premières places. Ils ne sont pas encore classés au classement mondial avec Alex Vlasovic, Thomas Lokalovic, Ourlène Gadour, la jeune génération qui fait ses efforts cette première compétition internationale. Alex Vlasovic arrive à nous enchaîner pour 13, 14, 15. Il s'est arrêté sur l'enchaînement à 14 ans 15, le Canadien. On rappelle que tout à l'heure dans la catégorie coureur, c'était Fabio Gilles, le Français qui était allé en 95.82. Donc on va dire tout à l'heure c'était des temps qui terminaient à Gilles et la première roue qui terminait également devant dans la catégorie. Donc on va voir si les coqs qui vont se lancer vont réussir à aller chercher le plus gros de 95.82. Elle est dure cette fin de manche, elle est dure cette fin de course avec ses mouvements d'eau, ses décalés pour vraiment tenir la baraque. Il faut être très très lucide, garder un maximum de mobilité sur le plateau pour ne pas se faire enterrer dans tous ces mouvements d'eau. Ah, ils n'ont pas fait de cadeau les Français. Alex Vlasovic, c'est un 67 mois, 68. À la porte de Rome. On est avec le combat Karpic, le roi qui arrive au cours de cette inversion numéro 18. Alors, chez lui tout à l'heure, il y a eu 100% de mouvement inversion à la porte numéro 18. On va voir si chez les garçons ça reste là-dessus, s'il y a des tentatives de passage en marche avant dans la dresse. Il s'agit de Thomas Morley, irlandais,
Mais non, ça ne sert à rien, on va suite au lieu de la. Il a eu des chiffres, il a eu du parcours, il a commencé par un de la porte numéro 2, il a un total de 264 points, 0,9. Et ça s'inquiète, il va pas encore pouvoir courir lors du niveau d'enchaînement. 15-16 pour l'espagnol Dario Cuesta. Yeah, Matisse, we know him, cutting the lines,
very soft. Ah ouais, ouais, ouais. Ça, de last. Il a fait un soft down. Magnifique, c'est un essor. A passé sur mon bandeau là, entre la 24 et la 25. Alors là, belle info hein, pour les différents compétiteurs pour l'élargir sur la journée de demain. Parce que c'est une sortie 24 qui était remarquable. D'ailleurs, au chrono, yes, we have Sima, little press leverage on gate 90 now, getting into 20, you can watch the checks. Oh, a drop from the check is really unusual, usually they are sweeping hard. Allez, il est en retard sur ce bon chrono intermédiaire, une seconde, 7 de retard, il arrive au niveau du stop numéro 24, dans l'air extérieur, lui il décide de sortir en plein dans le haut, on voit qu'il y a un petit peu arrêté, il va lancer le sprint, est-ce qu'il va chercher le chrono à la dernière, il sera fondé en 99.60 pour Massima, 0.027, ahead of the American guy, with a plus 4, very nice performance here for Massima. Mathieu Nesto au niveau de l'enchauffement 14, 15, 16, le Brésilien qui est connu bien le Brésil Spartan, il a fait quelques années sur ce magnifique chrono. Du passage de la porte numéro 17, magnifique la porte numéro 17. Et c'est le certifat on the spin on 19, le Brésilien from France, Mathieu Nesto. De son avance pour lui au second cours dans l'intermédiaire, on va voir ça jusqu'en bas, on sait physiquement il est capable de bien tenir ses manches. Looks easy when you watch his pedal. A bit difficult on gate 24. And now to the last sprint. Là aussi, belle sortie entre la 24 et la 25 pour Mathieu. Malheureusement, une pénalité sur cette porte à numéro 24. Il sera en 100.7. Il est 3ème. Donc Mathieu Nesto, on quitte un Mathieu dans un autre. Parce que Mathieu Nobi de la Belgique qui arrive sur l'enchaînement 14-15. C'est un des vétérans hein, de cette compétition. Pour le but du jeu, c'est de tenir physiquement juste en bas. Là, il a vraiment été qui met la tête en 14-15-16 et il arrive au niveau de ce sprint. Very nice style on the water from Mathieu Dobin. Good, very good and talented paddock here. A lot of experience. Can learn a lot of things watching his paddle. Going for the direct now. The abs may have started to burn already. Now the last abs. Oh, yes! A été oui, pas mal Mathieu Dobie avec seulement une seconde de retard sur le second point intermédiaire, un total de 102.85. Il est quatrième Mathieu Dobie qui était sorti, il avait sous-monné, on va dire, dans ses portes sur 24. On est avec le jeune Anatole de la Sulu au niveau de l'enchaînement 14-15. C'est une petite équipe, un dynamisme incroyable pour ce jeune compétiteur. A younger to watch now with de la Sulu. Firing up to this course. 17-18, oh, going for the direct, direct move from De La Sulu. Voilà, il a éloigné hein, par contre entre la 18 et la 19. On avait prédit que quelques-uns d'entrées cette marche avant son enchaînement de 18-19. On va analyser les vidéos de ce soir, voir si c'est plus rapide. En tout cas, il a perdu un peu le contact visuel dans le rouleau de la porte numéro 19. Ça se passe pas tout bien pour lui. Il avait presque 2 secondes d'avance sur ce nouveau commentaire. But he still has the arms, he still has the arms. And now on to the finish sprint for De La Sulu. En 96.24, il est premier. Anatole De La Sulu, 96.24. Anatole De La Sulu, first place with a 96.24. Zero clean run, fast and clean, Mr. De La Sulu. Bien encadré par deux anciens compétiteurs. Anatole De La Sulu, qui connaît désormais Thomas Bersinger. L'Antigue se connaît parfaitement sur la scène. Il a fait quelques années dans le coin avant de rapprocher un petit peu la bague avec cette scène. Il y a un petit peu moins. Investi et désormais au niveau d'enchaînement, c'est la version pour Thomas Bersinger dans le style plus caractéristique de Thomas Bersinger. And after the craziness of the youth, we do have now the experience of the Bersinger style. Kayaking Kid 2013, finalist on the World Championships, and a very nice time to watch on the water now. La
arrivé à pas mal de retard. Thomas Bersinger sur le second cours d'intermédiaire, une belle sortie aussi à 24-25. Décidément, cette sortie, il va falloir l'analyser parce qu'il y a du temps à gagner ou à perdre. C'est ce que vous voyez, Thomas Bersinger est 6e. Or, 103.28. C'est pour l'intérieur de la suite devant Thomas Zipa et Joshua Joseph, le chef de pouvoir. Competition inside the competition between the experienced paddlers of the best engines. On est avec Gorin, on voit le juge sera le bord du parcours. Levez la main là-bas, c'est jamais trop signé, 4-6 de pénalité pour ce compétiteur. Forcément, il a un peu trop tard sur le second cours intermédiaire. Il arrive sur le premier carré, je pense que bien réalisé pour lui. Est-ce qu'il avait réussi à chercher les petits choses devant? Ça va être compliqué. Est-ce qu'il va aller chercher à le vétéran à Mathieu Denis pour inverser un jet? Ça va jouer dans ses chronos-là, il sera bien. Là, il a sa queue de la 10e place pour ce compétiteur de l'Ukraine en 109.20, le 10e. Benjamin Régnat au niveau de l'enchaînement 14-15-16. Benjamin Régnat en ce moment, il est tout sourire, ça fait plaisir de voir évoluer sur ce niveau de Coupe du Monde avec un bon passage 14-15-16, même si là il est resté un petit peu droit. Ouais, il a perforé le rouleau de la porte pour eux, mais ça serait bien pour eux. Ladies and gentlemen, clap your hands for Mr. Régnat on the course. Very clean, very easy. Looks so easy to watch his paddle. Getting him to 20 now, a good draw. Il était un petit peu derrière la toque sur ce bon chrono intermédiaire. On sait que c'est un bon gestionnaire qui garde de l'énergie pour claquer les feux de manche. Il va se très haut stop de l'ombre 4. La sortie se fait un petit peu embêté à faire le mouvement de l'ombre slide. Allez chercher le chrono de 96.24. Il sera derrière, il est deuxième. Benjamin Régnat en 98.50. Second place pour Benjamin Régnat, 98.5. Clean run. France, first and second. Pepe Gonzalez, Pedro Gonzalez au niveau de la porte du roi, 17, le Brésilien. Au niveau parcours, une seconde sac d'avance sur le second chrono intermédiaire. Et belle version au niveau de cette porte du roi. Venga, venga, Pepe. Very hard, very fast. Upstream on 17 and now on to 20 again. Getting very tight on the gates. For this Brazilian guy being trained and coached by Barbara Rodbeck. Un petit peu plus au 24 débordé dans le rouleau pour sortir. Voilà, on voit le style qui va avoir un deck qui l'applique à la lettre. Est-ce qu'il va aller chercher le chrono? Il sera 4e. Pedro Gonçalves en 99.67. Au niveau d'un paquet pour Pavel Ekel, le Russe, au niveau d'un enchaînement à 17, pressé. C'est cette pointe numéro 17, peut-être un petit peu trop, on voit qu'il est en difficulté avec sa pointe avant sur les rochers de cette pointe 17. Comment Pavel, after getting stuck a little bit on 17, he's now back on track onto the up 20 on the right hand side. Just a big draw, in and out, really high exit, sweeping. Right, left, and then now on to 23. Pavel connaît bien aussi, hein, c'est souvent des Russes qui viennent s'entraîner sur le bassin international. Très beau stop. Numéro 24, lui aussi, il prend photo à pas mal de fois de la sortie à 24-25. On va se donner le chrono, il a perdu du temps forcément dans son petit bisou au projet de la porte pro 17. Mais 7ème en 101.02 pour un portable et puis. Yeah, very, very big paddler and still have talented and really like to style on the water. C'est l'Américain Michel Spolen au niveau de l'enchaînement du 17 du coup, s'il passe en marche avant, est-ce qu'il va aller chercher à la droite, à la gauche pendant le tour? Ah, là aussi, ça campe un petit peu dans le moment de l'heure, vraiment falloir analyser ces différentes options pour laquelle. Il a vu à peine pour arriver à dire demain la sortie 21-21, c'est très rapide pour Michel Smolen. Yeah, Michel Smolen now to the last up left of this course.
not bad for Michel Smolen-Pujon, last sprint now to finish line. Et c'est une troisième place pour l'Américain en 99, bravo pour 18. On redécide pour une bonne pour avoir un projet. On prend un petit marqué, on y va, on est avec Barbara Radilek. Je crois 14-15-16. And one of the most pleasant guys to watch now. One of the most sympathetic patterns that we know. Oh, getting stuck now, it's a challenge for him. Getting 17 wasn't easy at all. C'est cool, il y a un peu dans cette histoire, on a dû se faire arrêter à l'entrée du top. Forcément, derrière, on a obligé de soulever les coups de baguette. Belle relance pour aller chercher ce stop stage 9 pour Bugs. And that cross pattern from Bravo, that signature from our Czech representative on the last up. He didn't draw, he didn't draw. It's quite unusual again for a Czech pattern. Un chrono de 97.81 pour Barbara Radilek. Il est second. 97.81. On dirait qu'Antoine Launay au niveau de la porte numéro 13. Antoine Launay from Portugal, the big doudou of Portugal. He's still a talented paddler and quite a technician. Compétiteur et aussi un très solide sur les appuis à l'image de ce bel enchaînement. C'est 17, un bateau plus rapide. La version d'apporteur est numéro 18 pour plonger dans ce monde, pour dire contrer un peu les effets du monde pour partir, pas trop partir sur la bonne variété. So you can learn watching him paddling that when you are about 100 kilos, it's way easier to go through the crack of here in Pau. Il sort des petits écarts sur cette sortie 24-25 et un chrono de 99.68, les 7e Antoine Lodec. Et Antoine Lodec cruising to the 7th place with a 98.67. Johan Crespo sur l'enchaînement à 16-17. Belle relance pour venir chercher ce jump de la porte numéro 17. Belle épaule derrière, il a mis les voiles sur la pointe arrière, il est venu taper sur le fond de la rivière. Il décide de passer cette porte numéro 17 pour assurer. Et là, aussi l'inversion, la surinversion sur la porte numéro 18 à 0.1. Sortie de route sur le chemin 17-18 pour Johan Crespo. Yeah, we're gonna wish him a better day tomorrow because today, obviously, it's not his best moment on the water. But we can trust him for being totally focused and involved in his semi-final run and final, hopefully for him tomorrow. La compétition la journée, pardon, 206.60 et 22e. On verra demain, on est désormais avec un autre espagnol, David Ayuret. Et une grosse perte par la dernière au championnat du monde. En pleine forme, mais aussi physiquement, il est capable d'envoyer du rôle. Mais décidément, cette compétition, ça tombe un peu serré. Là, on a cette grosse avance qui vient pas mal à retenir mon chèche et qui est pas mal à réaliser cette petite erreur. Yes, absolutely, Renaud. So many paddlers getting stuck on with their nose onto this rock in 2017. Quite interesting to see how tomorrow they will correct that error. And now this is the last step for our friend from Spain, David Llorente. On est avec Papa Boubou sur le milieu de parcours, le Suisse, alors que David Llorente en terminant 104.62, il est 14e Papa Boubou. Sur l'enchaînement 14-15, on va voir le second tournoi intermédiaire. Il y a une pénalité déjà sur le parcours à 10. Il y a pas mal d'un coup. Allez, 9-10 de retard sur la table de la Suisse pour Martin Boucou. Très gros stop numéro 17. Il est aussi en train d'ici pour 4 au parcours. Et malgré tout, c'est un petit peu tiré sur l'enchaînement 17-18. Yeah, they've been working on the course for so many years now, trying to stabilize the water, but still here, you do have to adapt to the current, and that is what Martin is actually doing.
partir de vous au niveau de la porte numéro 24, le stop en extérieur, sortie en extérieur également, vous passez au niveau bandeau avec Maurice Neveu, français également au niveau de la porte numéro 10, c'est vraiment intéressant pour Martin Debourg en 97.28, il est second. Second place for Martin Debourg, with a 9.07.28.10, that's second penalty. Hi, Boris Neveu, au niveau de l'enchaînement 14-15-16. Il a été tous affichés au niveau de la porte de l'Union 14, mais il y a pas mal de plats hein, pour Boris Neveu, le second comme intermédiaire, mais cela s'est bien réalisé au niveau de ce stop, au numéro 17, la version suivie pour plonger, aller chercher ce tracker et ses passer It's going to be here. Very solid into the Kraken and now into 22nd and 23rd game. The left first wheel. And cutting into the rock. And now into the finish. I think you're going to be on a little bit of a roger for a little bit of a roger for a little bit of a roger. And it's a 121 for the 11th. Un attaque placé en première position, on est avec Friedrich Witt sur l'enchaînement 13, 14, 15, 16. Vous connaissez bien ce prince, hein, il est très bien puisqu'il a déjà fait une médaille mondiale sur les championnats de monde de je ne sais pas ce qu'il a, il prend une trajectoire assez particulière, il avait fait un petit peu de rouleau pour revenir, c'est le seul à prendre cette option. On verra, le rouleau est terminé, c'est ça d'être bien. C'est pas plus rapide. And as Witt means fast in French, we can expect him to be really fast on this course again. We do know that he won a world medal here for the World Championships that were held here in Rome 2017. Alors on termine avec Friedrich Witt, le Tchèque, sur un total de 99.74. Il est 8e. On a énormément d'écart entre le premier et le second, entre le premier et le dixième, pardon, on a 305, c'est pas mal, et surtout on a la catégorie coureur qui encore une fois est plus rapide que la compétition officielle. Ça veut juste dire que demain ça va aller beaucoup plus. Et qu'on a le but d'avoir bien souvent la qualité de Quentin Burgic, qui est l'autre que le troisième des derniers championnats d'Europe qui sont sur le bassin. Et effectivement, on va pouvoir attendre que ces chronos tombent sur notre journée de début. Un petit point sur le classement, c'est un atteint de la suite qui l'emporte aujourd'hui devant Martin Debourg. Avec la Vlec, le Ramagnin est 4e pour son retour à la Lochine, 5e, Thomas Simas, 6e, malgré pas mal de pérennes, et moi aussi pour devant le Tchèque Pedro Alves, 7e, 8e, 18e, enfin le 9e et 10e, c'est le jet. Une demi-heure de pause là entre les Kobel et les Serendam. C'est l'occasion de remercier les organisateurs, la Fédération internationale de canoë kayak, la Fédération française de canoë kayak France, qui a marqué toute la commémoration au Mirage des Pyrénées et nos partenaires institutionnels. C'est un sport, la région de la Nouvelle-Aquitaine, le département de Pyrénées, de la Nouvelle-Aquitaine, le Mirage des Pyrénées, avant on aura no way. Allez, on vous le retient, une demi-heure de pause, le premier départ, mais c'est une date, ce sera à 15h30, 26 minutes. De pause, on se retrouve après une pause, on se retrouve tout à l'heure. You're welcome. Need to make sure that the rock doesn't go down, so maybe it's better to put it here. So we will enjoy this meeting right now. We can give you a meeting around 3:30.
Make your vocal last and
control and equipment to get the direction. It's really hard to get the balance in the bottom section. And now we're doing the front of the Adidas 70. Very aggressive, and going around
for the checking of the three of our last attacks and then down to the start of the race. Enfin, votre tour numéro 5e, avec Thank you.
Il va y avoir beaucoup de réponses et je pense qu'on va pouvoir
par des métaux qui vont tomber devant l'aérien. Ouais, ça va aller vite, c'est quasi en ce moment. On sent pas mal de l'espace de collègues qui suivent sur les différentes quatre aussi, notamment sur la Thank you.
quelques compilatoires qui arrivent en dernière position. C'est pour ça que généralement on a les chefs de bord qui arrivent sur cette période-là, comme pour quelques années. On est d'ailleurs la première de cette compilatoire. Là, c'est pas ça, je vais faire un bon coup de place au cœur de tout. On est derrière les grands YouTube cet après-midi. Et avec un peu de temps, on peut changer de bord. On peut mettre la ligne à la trace et à la trace. Thank you.
difficile de voir un meilleur quand c'est comme ça. En janvier, après ce dimanche, quand le bateau est obligé, il n'y a rien qui vient de nous immédiatement ou de façon assez naturelle. Et à l'inverse, là, on a six balles qui sont parties sur les grosses manches depuis tout à l'heure. Il y a balance entre les trois autres d'abord pour le second tour de terre et bien, c'est un peu fait arrêter notre acteur de Fabrini, ça semble voir un peu du temps pas, il arrive dans un petit peu à l'intérieur de l'attaque, on est un petit peu de bon, on l'a vu au moment de l'accident, pas de petit tour, il a pris un rappel de part arrière dans le groupe de 24, parce que Fabrini vient chercher le chrono, il est devant, on s'en vient de moins 95, le pays so far pour with a 104 and a clean run for him, and it is still way better situation for him. He gets 724 and he can see the problem. I have a Carlo Chen, l'Américain, qui nous apporte un numéro 17, le fort de Bordeaux, qui est loin d'être le plus fort de Bordeaux, qui est loin d'être le plus fort de Bordeaux. Check it out.
something more like this guy, this one who is now standing on the left side on 17, going across that top of the box, cracking, yeah, very well done. Now, yes, almost going down. I'm talking here on the group to the Thank you.
là, 8 points de retard. Ça, c'est pour un dernier, il passe pour une autre. Et si c'est porté la marche avant, il passe à gauche, à droite, il va gagner. C'est pas mal fait pour Martin Thomas, c'est pas ça. One of the British guys on the course at the moment, he has his selected ticket since a few weeks ago now. Pitching again and again on the last section of the course. We've seen him taking the direct option on 18 on the bracket and then making it in game 19. Yeah.